Que pouvez-vous nous dire suite à votre intégration dans l'équipe du Paris Saint-Germain? Artea, oui, j'adore beaucoup le PSG, car en plus, en Espagne, j'adore manger la paella. La paella avec le petit Kinder, et qu'il y a Gunther qui arrive, j'adore. J'adore, ya. Vous voulez dire en France, pas en Espagne. Hello la famille, c'est Gigatif. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve sur du FIFA. T'as bien vu l'intro, j'espère que t'as kiffé. Ça m'a pris un peu de temps à faire, surtout la fois Halem, hein. Ça m'a pris du temps. Voilà, donc les gars, vous aurez compris aujourd'hui, on va mettre Lewandowski dans l'équipe de Paris. Voilà, bon, j'avoue, Di Maria, il est un peu... frérot, il est parti en couille, il a changé de poste, frérot, laisse tomber. Bon, on est en division 6. Pour l'instant, on a fait 5 matchs. 3 victoires, 2 défaites. Mais bon, là, je peux vous dire, on va faire des victoires, ma gueule. T'inquiète même pas. Je crois que je vais acheter un club de foot. Je vais racheter Marseille et je vais le transformer en Paris. Je verrai tous les joueurs. Je vais le renommer Paris. Tu vois, frérot. Eh, je vais faire une dinguerie. Eh, c'est pas pour tailler les Marseillais. Mais bon, là, j'avoue, c'est un peu la reste. Hein. J'espère qu'ils vont se refaire parce que, bon, c'est vrai que c'est un des seuls clubs en Ligue 1 dont on avait un peu de défi quand on jouait. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était les deuxièmes meilleurs. Parce que maintenant, ils sont défoncés. Je crois que même si Ronaldo lui propose 1 milliard d'euros de salaire par an, eh ben, il va même pas à Marseille. Vraiment, non mais vraiment, je crois vraiment qu'il dit non. Verratti fait de la merde dès le début, ça va pas frérot, ça veut dire que le match il va porter malheur. Oulala. Ah, très bien. Ça part sur une faute. Le Lewandowski il va partir le Lewandowski. Moi je le dis, il va partir à Paris. Je le sens, il va partir frérot. C'est pour ça que j'ai fait ça, je suis sûr qu'il va partir à Paris. Avec Neymar. Neymar, je sais pas. C'est ça, ça me semble bizarre un peu, tu vois. Là, il est sous pression, il se sent pas bien. Il a mal à la tête, il commence à avoir du sueur froide, mon frère, je te jure. Oh là là, c'est un autre. Ça c'est un autre coup franc, ça. Ça, je le sens bien. Celle-là, elle va rentrer. Robert. Oh non, elle est grave mal tirée. Elle est grave mal tirée. Ça fait 20 ans que je joue en Ligue 1 également. Hein. Non, je joue pas en Ligue 1. Je préfère jouer au Real. On m'appelle Giga Ronaldo. T'inquiète pas. C'est Ronaldo, mais en mieux, tu vois. Putain, il tente des longs shots, il commence à me faire stresser. Non, parce que la dernière fois, comme ça, le mec il est super nul, j'arrête pas de dominer. Il frappe du mieux de terrain, il met un long shot, bâtard. Non, vraiment, j'avais des sueurs froides moi aussi à ce moment-là. Quaresma. Tu connais pas Quaresma? Moi je connais. Bon, j'avoue, là, l'euro il fait de la merde, il fait rien du tout. Mais il est super chaud. Pourquoi il fait que ça? Il m'énerve. Allez, ça part au but, ça. Oh là là, que c'est bien fait. Y'a faute, monsieur Rabbit. Oh, par contre, ça va au but, ça. Oh là là, mais son gardien, c'est un fou. Là, on fait un peu un match de merde. Putain, allez, pourquoi tu mets 3 heures? Me dis pas, tu fais 20 minutes de changement. La vie, je perds pas contre ce mec. Il est nul. La vie, je perds pas contre lui. Non, ça va. Trap, il est toujours là. Oh putain. Oh putain, j'ai fait un truc de fou. Putain, je me déteste. Putain, des fois comme ça, je me déteste. C'est quoi, faut que je prenne ma voix sérieuse comme si j'étais genre un journaliste ou... Imagine, il joue à FIFA, François Hollande. Alors, très bien, alors on fait repasser la balle comme ceci. Oh, je pense qu'il y avait faute. Fort bien. Choose your character. Là, il me fait peur ce con il me fait peur. Oh là là, ça c'est mauvais, c'est mal joué de ma part. Ça va se finir en but cette action. Oh mon dieu. Quoi? Faute? Mais c'est n'importe quoi, j'appuie même pas sur carré. C'est lui qui vient se jeter sur moi, putain. La vie de ma mère, il tire au milieu. J'ai dit quoi? J'ai dit j'allais l'arrêter. Tu m'as fou ou pas? Non! Bah ça va. J'ai dit j'allais perdre de toute façon depuis le début. La vie je perds pas contre ce mec. Il est nul. La vie je perds pas contre eux. Sur ce, j'espère que t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ciao les potes, c'était Gigatif, bye.